Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, une petite nouvelle vidéo, donc je vais vous présenter un outil. Ouais, on va dire c'est un outil. Ça va vous aider à faire plusieurs choses. Donc cet outil, c'est un dépoussiéreur multifonction. Donc il va vous servir dans différentes tâches. Mais sur la voiture, sur le nettoyage automobile, ça peut être utile. Donc cet outil va vous servir dans le quand vous allez laver votre voiture, pour l'assécher tout de suite. Voilà, donc ça va éviter de laisser des traces. Ça va vous servir pour, vous savez, tous les petits endroits là, les grilles de ventilation, tous les petits coins pas trop accessibles. Avec ça, vous allez pouvoir évacuer les poussières. Et après, ça va vous servir dans la vie quotidienne. Dépoussiérer les PC. Voilà, beaucoup de choses comme ça en fait. Tout ce qui est ventilé, tout ça, vous allez pouvoir. Les feux à pétrole, vous allez pouvoir dépoussiérer les filtres. Le filtre à air de votre automobile, vous allez pouvoir le dépoussiérer. Alors, je vais vous montrer ça. Le prix est super intéressant. Il faut savoir que ce kit vaut 129 euros. C'est pas la petite bricole Wish à 2 balles. C'est vraiment un produit de qualité. Je vous montre ça tout de suite. Allez, on y va. Donc voilà. Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce joli petit carton? Voilà. Donc, voilà. On va tout déballer et on va voir ensuite. Voilà, ce petit gadget avec le petit tuyau. Ah, il est balèze le tuyau. Le tuyau, il est beau. C'est roulé. Voilà. Donc, tout ça, c'est dans le kit. Voilà. On va commencer par la machine. Voilà. Vous voyez, déjà, je trouve ça super propre. On va regarder un peu de plus près. Voilà. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure. Désolé pour les petits toutous qui aboient. Donc ça, c'est des filtres supplémentaires. On va les mettre là-bas, de côté. Donc ici, là, donc, on a les petites boulettes qui vont bien, bien sûr. On va accrocher tout de suite. Ils viennent ici. Les quatre roulettes sont équipées de petits freins. Voilà. Donc, c'est bon. Déjà, on est sur roulette. Je vais faire de le brancher le petit niveau qui va bien. À visser, il se visse, franchement, ça se visse tout. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore là-dessus? Hop. Donc, ensuite, on a tous les petits accessoires. Donc, on a tous les petits. Donc vous voyez, hein, vous pouvez mettre celui-là, franchement, deux secondes. Alors celui-là, il va servir pour les grilles de ventilation par exemple, les PC aussi. Celui-là pour les PC, ça peut être pas mal. Et celui-là, bon, celui-là. Celui-là, ça va être plus pour agrandir, je pense. Oui, alors c'est pour la poignée, d'accord. Ah, j'avais pas fait ça. Allez, après, si la poignée c'est souple, donc vous mettez la poignée en plus et vous mettez
votre petit embout qu'il vous faut. Voilà. Donc on va aller se tester ça tout de suite. Allez, let's go. Donc voilà, je viens de le brancher. Donc là ici on a les indicateurs. Je vais le mettre. Voilà. Je vais. Et vous voyez niveau vitesse, je suis très bon. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai mis d'abord. Alors, franchement, c'est pas très bruyant. Voilà, donc là, je le baisse, l'éteins. Ah non, attendez. D'accord, j'avais oublié un petit truc en fait. Vous voyez ici, hiver. Donc, température froide, hein, froide, tiède. Quand vous me passez ici, c'est plutôt chaud en fait. C'est vraiment pas mal. Voilà. Donc voilà. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Voilà, cette vidéo est terminée. Surtout, n'oubliez pas de lâcher des pouces. Abonnez-vous un maximum. Voilà, avant sur cette chaîne, enfin, sur une autre chaîne, on était 11 000. C'était magnifique, 11 000 abonnés. Alors du coup, je redémarre. On est à 700 presque. Ça arrive, mais c'est un peu long. Mais ça va. Alors, j'essaie de vous publier un maximum de vidéos chaque semaine. Alors, n'oubliez pas de vous abonner.